Bon, il paraît que Fabien va me faire un nouveau enlicouanou. Alors. Oh non, il s'est encore caché, c'est pas possible. Fabien! Fabien! Je sais que tu es là. J'entends bouger. Tu n'es plus un enfant de 3 ans. Hop, je t'ai vu, je t'ai vu, c'est bon, hop. Bonjour Fabien! Bonjour. La forme? Ouais. Qu'est-ce que tu lis? Lettre à Helga de Berven Birginson. Ah, c'est pas de la littérature française, ça. Non, pour une fois, je propose de la littérature étrangère. Donc, lettre à Helga. On suit en fait Objni, si je me trompe pas, un Islandais qui s'occupe de chèvres et de vaches, et qui nous raconte à travers ses lettres sa rencontre avec une Helga. Helga qui a été son amante, sa maîtresse, et avec qui il va nous raconter ses ébats amoureux, sexuels. Il va nous raconter toute cette histoire de rencontre avec cette femme qui n'était pas sa femme, et comment il est tombé amoureux, avec le temps, avec passion, de cette femme. C'est un roman qui sent comme l'autre chez les éditions Zulma, la mer, le sel et le poisson. C'est la thématique de Voilà, cette rentrée. totalement. Et c'est juste parfait. C'est une écriture qui est très très belle, sous forme de lettres, où on suit un homme de toute sa vie, où il nous raconte cette passion et qui le dévore, qui le hante, et la relation qu'il va avoir avec cette femme. Et c'est juste fabuleux, prenant et un vrai coup de cœur. Eh bien, écoute, merci Fabien pour ce Je vous en prie. vrai, vrai, vrai coup de cœur. Bah, je vous en prie. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.